Bon, je crois que c'était un match intéressant des deux côtés. Nous, on a eu un peu de difficulté début de match. Ils ont mis un peu de difficulté, notamment par leur côté droit. Quand on a su régler un peu ce problème, j'ai trouvé qu'on était bien équilibré dans le match. On a bien fini la première mi-temps. Deuxième mi-temps, je pense aussi qu'on les a bien contenus. Je pense que c'est un point de mérité, un match nul mérité pour nous, parce que compte tenu de la deuxième mi-temps où ils ont eu quand même très peu d'occasions de but, nous, une grosse occasion. C'est vrai qu'on a fait un petit changement tactique pour équilibrer un peu le milieu de terrain qui nous a fait du bien en deuxième mi-temps. On était un peu plus équilibré et on n'a pas été trop mis en danger. Je pense que vraiment ce point récompense l'abnégation et le travail des joueurs, l'état d'esprit des joueurs qui ont fait preuve d'un super état d'esprit, très combatif. C'est vrai, c'est aussi sur un exploit de nos gardiens en fin de match, mais c'est le football et je pense que c'est vraiment un point de mérité, ça aurait été cruel de perdre ce match. Un peu plus défensif, légèrement plus défensif. C'est vrai que ce qui était intéressant quand même en première mi-temps, c'est qu'on a eu quand même sur la profondeur beaucoup. Allez, deux, trois situations très intéressantes qui ont peut-être fait ouvrir la marque. À mon goût, on n'en a pas eu assez en deuxième. J'aurais souhaité qu'on pèse plus sur leur défense dans la profondeur en deuxième mi-temps. Mais bon, on va pas faire la fine bouche et on est très heureux ce soir. Mais comme je viens de le dire, j'aurais souhaité sans doute, dans les derniers 25 mètres, 30 mètres, faire la bonne dernière passe, le bon dernier geste, mieux que ça, surtout en deuxième mi-temps. Parce que le premier mi-temps, il y a eu des choses intéressantes à ce niveau-là. Et je pensais qu'avec le temps, les espaces s'ouvrent et tout. Peut-être qu'on n'a pas assez encore utilisé les espaces en deuxième mi-temps. Et là, on joue tous les 2-3 jours, il y avait quand même des deux côtés un peu de lassitude physique, des deux côtés, des deux équipes. Vous savez, ça fait très peu de temps que je suis là. J'ai fait deux entraînements pour préparer le premier match contre le FUS. Après, trois jours après, on joue le Raja. Donc, vous qui connaissez le football, c'est pas évident de préparer l'équipe par rapport au peu de temps, puisqu'il faut récupérer du premier match. Et compte tenu de tous ces éléments que je viens de dire, je pense que 4 points, c'est très positif. Maintenant, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On a un match très important samedi qui peut aussi peut-être déterminer peut-être autre chose en vue peut-être de voir plus haut sur le classement. Mais d'avoir pris un point aujourd'hui, je pense que c'est très intéressant. C'est une bonne base de travail pour samedi et pour la suite. Même si d'ici samedi, je ne pourrais pas travailler grand-chose. Après, Inch'Allah, il y aura une semaine ou il y aura 7 jours, ce sera plus facile pour moi. Voilà. وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم